Pourtant je mets mon masque, gars. Elle ne vient pas à tes funérailles. Est-ce que toi tu vas venir à ses funérailles? Hein? Tes funérailles. Salut la famille. Aujourd'hui, on va un peu tester les connaissances des gars. La question serait assez simple. On va un peu essayer de voir un peu si on peut piéger, on va un peu tester leur intelligence. Alors restez scotché à la chaîne. Abonnez-vous comme d'habitude. Une dédicace spéciale aux deux premiers commentaires de la vidéo précédente. Marcel Djebgoua et Chris TV officiel. Merci. C'est parti. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Très bien. Non, je vais bien. Alors, moi, c'est Gaïtaji des Relus 237. Et toi? Daniel. Et toi? Yvan. Yvan. Ok, c'est simple là. Hein? J'ai une petite question. Supposons que ton ami là qui te considère là, qui doit toujours être avec toi là, il décide de ne pas venir à tes funérailles. Est-ce que toi, tu vas venir à ses funérailles? Non, je ne pourrais pas venir. Comme s'il n'est pas venu à mon funérailles, il me fait aussi de même. Donc comme il ne vient pas de finir, tu ne viens pas. Oui, je fais aussi de même. Et toi, c'est pareil? Mieux que ça, il y a mort. Comment il sera allé à ce funérail? Ah, comment? Tu penses que tu serais déjà mort? Mais oui. Non, vas-y, réponds. Ce sont mes funérailles, vu que c'est moi qu'on enterre. Comment ouais. À son tour, je serai là? Ah, d'accord. Donc tu n'es pas tombé dans le piège, quoi. Mais lui, par contre, il est tombé dans le piège. Est-ce que tu comprends maintenant? Non, je comprends maintenant. Ok, c'est tout. Hein? Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bonne journée. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Je vais bien. Non, moi, je vais super bien. Alors, c'est ça. Je vais vous poser une toute petite question. C'est ton ami, non? Oui. C'est ton ami, non? Ah ouais. Imagine que ton ami, c'est là. Hein? Elle n'assiste pas à tes funérailles. Est-ce que toi tu vas assister à ses funérailles en retour? Attends, comment elle n'assiste pas à ma funéraille? Elle n'assiste pas à ses funérailles. Mais bien sûr. Je serais morte. Bon, suppos, bon, hein? Attends, tu serais comment? Je serais morte, non? Tu es sûr que tu serais morte? Toi, tu penses que tu serais morte? Elle se finit, mais bien sûr que oui, non? Elle serait bien morte. Pas funérailles. Je vais faire comment pour partir si elle est morte? Donc, vous n'êtes pas tombé dans le piège, quoi? Non. Ok, c'est tout, hein? Merci. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors j'ai une petite question pour toi, très simple. Hein? Si ton ami que tu considères, tu as des potes que tu considères, non? Oui. Si ton ami là ne vient pas à tes funérailles, est-ce que toi tu vas venir à ses funérailles en retour? Ah, je pourrais bien. Tu pourrais bien? Oui. Mais lui t'a laissé tomber, tu vas venir à ses funérailles comment? Mais après on pourra poser après. Pour demander la raison pour laquelle chacun a ses raisons. Mais vous avez posé comment? Il t'a laissé tomber le jour de tes funérailles. Et maintenant, le jour de ses funérailles, tu viens comment? Il faut nous dire. Ah, je pourrais venir, puisque moi, j'ai un bon cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui a du mal, pas le mal. Donc, tu n'es pas rancunier, quoi? Oui, je ne suis pas rancunier. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu as même compris là? Tu n'as vraiment pas compris le. C'était un petit. C'était en fait une question piège, quoi. Tu n'as pas compris. Venir à tes funérailles, ça veut dire quoi? Il dit qu'il veut que sa personne vienne à tes funérailles. Ça veut dire quoi? Tes funérailles. Tu comprends maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Alors tu peux nous dire ce que tu as compris? Quand vient mon deuil. Voilà. Ça veut dire que tu es déjà mort en fait. Oui. Ok, merci, c'est tout. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Ok. Moi c'est Gaïtaji des Relus 237. Et toi? Megan. C'est vous? Denchina. Ah, ok, cool. Alors, il y a une question très simple. Vous êtes amis, non? Très proches. Imagine alors qu'elle ne vient pas à tes funérailles. Est-ce que toi, tu vas venir à ses funérailles? Si elle ne part pas aux funérailles. Elle ne vient pas à tes funérailles. Est-ce que toi, tu vas venir à ses funérailles? Ça, comment ça? Elle serait à morte. Ah bon? Elle n'est pas possible. Tu penses que tu serais déjà morte? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Parce qu'elle est morte. Ah ah, donc elle est morte. Mais c'est ça, non? Puisque c'est là, puisque je suis en mode, comment est-ce que je vais jusqu'en quoi? Ah, donc okay. C'est une question piège, quoi. Et vous n'êtes pas tombé. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci. Les gars, les Camerounais, là, vous êtes trop inspirés. Hein. Petite question comme ça, là, vous ne voulez pas vous faire piéger, quoi. Hein? J'espère que vous avez vous-même confirmé à quel point les Camerounais ne se laissent pas piéger par des questions quoi. Hein. Alors si vous avez aimé la vidéo, c'est simple comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne. Pardon, là, faut vous abonner. Hein. Ne même pas parler comme un Ivoirien. Faut t'abonner, faut liker, faut partager la vidéo.
Alors c'est tout, hein. Merci beaucoup. Coronavirus, Mayam Wampian, Manga Sulmouen, Asunatiaobe.